est le con qui a pu faire ça? Aïe! J'en peux plus, moi! T'es qui, toi? Oh mon Dieu! Tu serais pas Mario? Pas mieux? Bien sûr que je suis Mario! Oh! Toi aussi, tu attends? Pourquoi? Pour le nouveau défi extrême? Non! C'est de la merde, défi extrême! Non! Non, tu peux pas dire ça! C'est trop horrible! J'ai le droit de dire ce que je veux. Tu voulais parler de défi extrême avec Louis Mercier? Non! Avec Donkey Kong? Non! J'y pense même pas! Ça faisait 2 ans que j'attends pour récupérer les 1 million $ pour être riche! Je peux pas attendre! Écoute, t'as qu'à chercher du travail. Du travail? Pour me traiter comme d'un esclave? Non, ça jamais! J'ai toujours travaillé avec quelqu'un et on m'a fouetté, on me donne rien à manger, on me donne rien à payer. Donc je dis fuck you, le travail. Et donc j'ai décidé de trouver un autre moyen, c'est-à-dire attendre le nouveau série Défi Extrême! Tu délires. Non, je délire pas! Je suis ton pire ennemi, Bowser. Ratozoïde. Oh, je vais faire ta putain de gueule. J'en ai marre que tu me traites de Bowser, Ratozoïde. Et toi, t'es qui, toi? Je suis Otis. Ah oui, j'allais lui demander quel est son nom. Autiste. Eh non, Otis. Otis. Pfiouh. Tu l'as bien mérité, le barf dans ta gueule. Mais t'as pas le droit de faire ça! Il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un est Cyborg. Dégage de là. Non! De quoi vous voulez parler déjà? J'en parle, bah, de défi extrême, n'importe quoi, tout! N'importe quoi, deux, il y a une nouvelle saison? Ça, vous allez pouvoir se faire mettre. T'as pas le choix. Comment ça, j'ai pas le choix? Si, j'ai des choix. Et y a rien à négocier. Quand je dis j'ai pas le choix, je dis ça pour plus tard. Pour plus tard? Oui, mais où est-ce que tu veux en venir par plus tard? Je crois qu'il commence à mal comprendre l'histoire. On devrait peut-être en dire la vérité. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Je suis en train d'harceler Mario. Et maintenant que tu me dis à propos de défi extrême, n'importe quoi, deux? Ah oui, je l'ai déjà dit. Bon, enfin bref, de quoi vous voulez parler, bordel de merde? Je pense qu'on essaie de foutre de sa gueule. Oh bien. Putain de merde, vous... Ah bah bravo, vous m'avez rendu malade, bande de trouducs. Oh! Bah quoi? Non, rien. Et à ce propos, en parlant des défis extrêmes, n'importe quoi d'eux, c'est des conneries ou de la vérité? Arrête! Ok. Soyons sérieux. De quoi vous voulez parler déjà? De défis n'importe quoi, poupita poupita poupoupoupou. Je veux dire de défis extrêmes n'importe quoi d'eux. Mais bon, depuis le début on en parle et vous savez même plus quoi dire. De quoi? D'après ce que je m'en souviens, le nouveau animateur de Défi Extrême N'importe quoi 2. Quel animateur? Il se trouve par là. Je dis ça au pif. Oh oui, allons-y. Bon, moi, je n'ai pas qu'à les suivre. Je n'ai qu'à rester là à ne rien faire. Ça doit être un piège à la con. Oh merde.
Qu'est-ce que vous avez encore? Ils ont bien parlé de défis extrêmes, n'importe quoi d'eux. Oui. Oh mon dieu. C'est bien que je pensais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont se prendre dans une piège. Une piège? Ils vont se faire piéger. Quoi? Ils vont participer à un défi extrême, à n'importe quoi d'eux. Ils vont aller dans un plan de péché. Quoi? Allez, viens, Mario. Non, je veux rester. Ok, Mario. Il faut que je t'explique. Je sais, ils vont aller dans des festivals n'importe quoi d'eux, c'est la cata. Oui. Je comprends rien à ce qu'il dit. On s'en fout. Ce que j'essaie de dire, c'est que si on les parvient pas à temps, leur vie deviendrait un cauchemar. Je te le fais pas dire. Donc il faut vite les sauver avant que... Trop tard. Comment ça trop tard? Il n'y avait pas encore temps. Ah, oui, c'est vrai. Il faut vite intervenir. Oui? Il voudrait dire qu'il faut intervenir. Ah! Les gars, il faut vite sauver vos culs! Si vous entrez dans cette porte, votre vie deviendra un cauchemar! Et alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ouais! Ça fait des années que j'attends des filles extrêmes, n'importe quoi d'eux. Mais ils vont pas les regarder! Bah si, on a le droit de regarder quand on veut. Non, non, non! C'est pas ça. C'est en fait, on va pas les regarder. On va risquer de participer. Ah, mais justement. Oh putain, vous êtes tous des cons. Qu'est-ce qu'il faut faire, Mario? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, faudrait peut-être trouver une solution. Tutti, t'as une solution? Non. Oh bah putain, tu crains. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai hâte d'avoir des 1 million de dollars juste pour acheter le coffret magazine de lasagna. Toi, tu es un amour des lasagnes. Exactement, mon petit Robin. J'ai hâte qu'on participe à des défis extrêmes pour le fun. Oh oui. Dis, tu serais pas un tanuki par hasard? Bah oui, pourquoi? Tu serais pas parti des personnages d'Animal Crossing? Comment tu peux savoir? Tu joues même pas aux jeux vidéo de Nintendo. Je regarde sur internet, je mets des petites vidéos de Kamendo. Kamendo? Oui! Ah, d'accord. Oh, j'ai hâte d'avoir 1 million de dollars pour faire le fun. Oh! Tu fermes ta gueule, tu ne sers à rien et tu pues! Hé, hein. Boobies! Boobies, non! Non mais quel pervers! Je suis le seul à avoir un pot de rouge! Non, oh, je suis là aussi. Tais-toi, tu sers à rien! Luigi, faut faire quelque chose, faut vite les faire s'enfuir! Mais comment? Je sais pas, moi. Entre-le dans cette porte. Oh, miracle! C'est moi qui passe devant! Oui! Non, c'est moi qui passe devant! Oh merde, je vais passer devant, deuxième. Oh merde! Oh! N'y va pas! Cassez-vous, bande de poufiasses! J'arrive! Oh putain! Au moins, tu vas pas t'en aller! Qui c'est ton ami? Pas mal, en tout cas, on va pas y aller. Oh, je te souhaite bonne chance. Non, non, j'y viens aussi. Hey! Hein? Hmm? Vous venez ici? Non, mais... Bienvenue dans le nouvel saison de défi extrême n'importe quoi 2! Miaou! Enfin, le moment est enfin venu. Je vais enfin participer à un défi extrême et prouver à cette bande de toutes balles que je suis un chat le plus extraordinaire du monde. Poubise? Non, pas toi, espèce d'abruti. Oh merde, Luigi, c'est un vrai cauchemar. On va arrêter. Calme-toi. Comment voulez-vous qu'il y ait un calme?
Enfin, je serai enfin le meilleur de toutes. Ça dépend. Tais-toi, toi. On est enfin sur des faits extrêmes. C'est la première fois qu'on va dans ce genre de série. N'est-il pas génial? Oh oui, il est génial. Moi, je fais quoi? Non, mais toi, non, mais qu'est-ce que tu fous là? Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est à cause du noir. Du noir? Bah oui, du sombre. Tu n'as même pas allumé la lumière. Ah oui, je vois. Hey, ton quiconque, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas censé être un candidat. Je suis un présentateur. Oh, je pensais que c'est animateur. Non, présentateur, pas animateur. Quand est-ce que tu vas aller à l'école? Jamais. Oh mon dieu, mais quel cas désespéré. Et pourquoi tu te mets au dos? Pour me reposer, avant que je fasse des dialogues stupides et gnangnan. Ah d'accord. Enfin, je suis enfin chez Défi Extrême. Je vais pouvoir prouver aux autres que je ne suis pas une fille. Bah pourquoi tu dis ça? Parce que à chaque fois, lorsque j'apparais, on me dit « Salut mademoiselle !» alors que j'ai un peu rose. Oh, mais va te foutre, connard! Oh, ah oui, t'as un peau rose, jeune fille. Va te doubler ou te faire foutre! Bon, écoutez-moi, bande de trou du cul. C'est moi le beau gosse. Alors vous voudrez vous respecter. Sinon, vous aurez droit à un baf. Quelqu'un en voulait? Alors c'est des faits extrêmes. Je l'aurais jamais imaginé. C'est ton nook! Oh bah attends, je te connais. T'es Mario. Alors, niveau Nintendo, ça va? Non, je suis pas Mario, mascotte Nintendo. Je suis Mario normal. Ah, d'accord. Et toi, t'es Tom Nook de Animal Crossing? Oui, de Animal Crossing normal. Comment ça se fait que tu t'es enfui à Marine? Je me suis pas enfui, je me suis inscrit, nuance. Ah, d'accord, je vois. Et pourquoi tu es venu ici? Je croyais que j'aimais pas. Oui, c'est normal, j'aimais pas, mais on m'a forcé, encore une fois! Ouais. Oh, je vois. Pigeon. Et va te faire foutre. Je croyais que t'aimes les personnages de Nintendo. Ouais, bah sauf lui. Hé, hey, toi, t'as pas de parole, donc tu casses. Quoi, c'est ça, casse-toi, casse-toi, Violette. Eh hey, ouais, tu l'as dit, poufias. Je suis pas une fille. Oh, va te tripler avant de faire foutre. Ah. Oh, mais quelle agressivité de la panthère rose. Je suis un garçon, pas une fille. Oh, c'est vachement sexuel qu'il dit. Non, j'ai rien dit. T'es vraiment bizarre. Ok, les jeunes titans, Westerfire et Raven. Ah, je te rappelle quand même que j'ai essayé de faire un groupe interdit pour les filles. Attendez une minute, il n'y a pas de filles dans le groupe, mais... C'est bizarre. Ouais, bah c'est comme ça. Sexiste. Non, c'est parce qu'aucune des filles ne s'est intéressée à des filles extrêmes parce qu'elles n'ont pas un sens de l'humour. C'est ce que je dis, sexiste. Oh, mais tu t'es vu, toi? Oh bah, au moins, je ne serai pas avec, le même bébé. Attendez une minute. Je croyais le même bébé, c'était... Patrick! T'as entendu de me traiter? J'adore quand tu clashes, Patrick. Merci, c'est mon habitude. Oh mon dieu. J'espère que tu vas rejoindre notre équipe. Ben, ça dépend de Donkey Kong. Ah oui, je vois ce que tu essaies de me dire. En tout cas, par contre, compte pas sur moi que je sois dans ton équipe, mon bébé. Parce que toi, t'as un mal du cyborg. Bah oui, cyborg. Si cartardé. Je suis pas très gentil. C'est bien fait pour ta gueule. C'est pas très gentil, ça. Bon, rassemblement. Hein? Mais j'aime pas Shiba. C'est un ordre. Ok, d'accord.
Tom Nook, t'es trop loin. Ok. Eh ben, je savais pas qu'on pourrait m'obéir aussi rapidement. Quoi? Non, il a rien dit. Bienvenue dans la deuxième saison de Défi Extrême N'importe Quoi 2. Oh yeah, j'adore Défi Extrême N'importe Quoi. C'est ma préférée. J'adore qu'on va par en couille. Bon, ça bref. La dernière fois, il y a, en 2014, on a fait Défi Extrême N'importe Quoi. À la deuxième... Ensuite, en 2015, on a fait Défi Extrême contre Total Drama. Et maintenant, on a décidé de créer de Défi Extrême N'importe Quoi de... J'ai une question. Oui. Pourquoi deux? Pourquoi pas trois? Eh ben, parce que selon la chronologie, le Défi Extrême N'importe Quoi faisait ce Total Drama était en fait du remplissage. Quoi? Eh ouais. Oh putain. Bon, enfin bref. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 candidats! Et on va devoir répartir en 8 cette fois-ci. Comme si je ne savais pas. Mais enfin bref, le défi d'Extrême d'aujourd'hui a un certain éliminatoire différent. La première éliminatoire... Déjà, la première, l'éliminatoire numéro 1, celle du normal. C'est-à-dire que chaque candidat va devoir éliminer un joueur le soir. L'éliminatoire numéro 2, c'est-à-dire l'éliminatoire au mini-jeu. C'est-à-dire que celle, le candidat qui a le plus voté, c'est-à-dire deux candidats, va devoir aller, Bah ouais, j'essaie de réfléchir. Ah oui, au mini-jeu pour choisir qui va partir. Et enfin, l'éliminatoire numéro 3, c'est-à-dire l'élimination par Internet. Par Internet? Je vois pas de quoi est-ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que chaque commentaire choisi, lancé, enfin bref, envoyé, eh ben c'est eux qui vont devoir choisir qui sera rentré chez eux. Ah, je vois. Tout à fait, Panthère Rose. J'attends du compliment. Non, tu fais peur. Parce que je suis rose? Non, t'es une fille. Va te faire foutre! Tu es la seule fille. Non, je suis un garçon! Bordel de merde! Va te quatrième de faire foutre! Oh oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais... Ah! Quelle vulgarité! J'adore. Ce que vous allez attendre, c'est quel genre d'épreuve vous allez devoir y faire pour la première. Ouais. Eh ben, c'est très simple. C'est le joueur... Enfin, c'est le jeu qui va désigner les deux capitaines de l'équipe. Ouh, capitaine de l'équipe. C'est moi qui serai capitaine, pas les autres. Eux, ce sont des tafioles. Tafiole ou pas, il mérite d'être capitaine. Oh, non, mais c'est pas possible. Hey, c'est pas la peine de râler. C'est bon, à la fin, tu commences à nous faire peur, là. Ouais, bah... Y'a pas de... Ouais, bah, c'est comme ça. Cette épreuve a été désignée par... Fox Kids. Non, mais tu t'as fumé quoi? Déconne, ça va. Enfin, bref, Fox a désigné l'épreuve. Celui qui trouvera le chat, puis l'attraper... par la peau du dos de Mena, capitaine de l'équipe. Et attention, comme je vous l'avais dit, il n'y en a que deux. Vous allez devoir chercher la gâte. Et puis c'est tout. Le temps limite, et il n'y en a pas. Je suis perdu. Enfin bref, laisse-moi t'aider. Allez, repose-toi. T'as assez souffert pour aujourd'hui. Enfin bref, ce que Donkey Kong essaie de dire, c'est que Agathe est cachée ici. Et que donc, comme il l'a dit, vous allez devoir attraper par un peu du dos. Et c'est comme ça. Sinon, vous ne serez jamais capitaine. Allez, go, go, go. Hé, hey, Patrick. Quoi? Et si on faisait équipe pour capturer... Oh ouais, mais...
Je sais plus trop quoi dire, je sais plus. Laisse tomber, Patrick. Allons-y. Ok, on est bien d'accord. Qui sera capitaine? Ça dépend. Oh bah allons-y. Hé hey Mario, où est-ce que tu vas? En tout cas, compte pas sur moi pour que je sois avec vous. Bon bah, Chargin, tu viens avec moi? Ok. Allons-y. Pas de trou de cul, je vais travailler en solo, ouais. Hey Sonic, tu voudrais bien venir avec moi? Non, tu me fais peur. Va te faire foutre. Non, t'es une fille. Encore? Oh, et puis merde. Et toi, petit castor violette, tu veux venir avec moi? Et vous deux? Tu dois être la panthère rose, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Vous voudrez bien joindre de mon équipe? Ça dépend. Comment ça dépend? Bah ouais. De quoi? Bah si tu veux être gentil avec moi. C'est pas à mon début d'aller être gentil. Dans ce cas, non. Ah, va te faire foutre! Ok, ok. Tu voudrais joindre avec moi? Ça dépend si boobies. Si je serais capitaine de l'équipe, je pourrais peut-être l'aider avec un boobies. Mais laquelle? Je verrai ça après. Oh oui, il y aura des boobies si je serais capitaine d'équipe. Ok, alors ok. Ça vaut la peine de se... Est-ce que ça vaut la peine de balader avec ma... Laisse tomber. Je suis tout seul. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Ah! Allez, viens, mon petit Agathe. Agathe, allez, viens, allez, viens. Allez, viens, ma petite Agathe. Allez, viens. Allez, viens. Par la pompe du dos. Et je l'ai attrapé par la pompe du dos. C'est très bien. Tu es capitaine d'équipe. Oh, ouais! Juste, il ne nous a même pas laissé le temps. Viens, il ne reste plus qu'un. Essaie de t'attraper par la peau. Ma victoire. Oui. Mais reviens, espèce de tafiole. Allez, allons-y. Oh, t'en sais plus. Lâchez-moi. Non, ça jamais. Oh. Allez, ma petite Agathe. Non, j'ai pas réussi à l'attraper. Attends. Mais bande d'imbéciles, il fallait pas le maltraiter. Oh, et puis merde. Rassure-toi, mon petit chat. Tout va bien. Oh oui, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. C'est bien joué. Chargin est aussi capitaine d'équipe. Ouais. Et c'est tout? Et c'est tout. Ok. Pour résumer, Chargin et Nook va pouvoir choisir leur candidat ce qu'ils veulent. Pour le prochain épisode. Oh my god! Tais-toi.